Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Motus, votre jeu de mots quotidien sur France 2, avec une émission un peu particulière puisque c'est le tournoi de Noël qui commence avec Catherine et Myriam pour commencer. Catherine et Myriam qui seront opposées à Christine et Ivan ce matin. On leur souhaite bonne chance à tous les quatre. Et le Père Noël nous a fait un premier cadeau, mesdames et messieurs, un joli Thierry Beccaro pour présenter cette émission. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je vous avais annoncé deux bonnes nouvelles. J'espère que vous avez apprécié le nouveau générique de Motus. Je voudrais qu'on salue et qu'on apprécie, qu'on applaudisse très très fort l'équipe qui a réalisé ce petit tour de passe-passe. Je précise que j'ai servi de modèle. Pour toutes les cascades, oui. Évidemment. Oui, ça en fait rire deux, trois, mais c'est la réalité. Pour les cascades, ça a été du boulot. Hein. Surtout quand je retombe comme ça, là. Vous nous montrerez voilà. Après, Thierry, de toute façon. Bien sûr, je ferai une entrée comme ça. En tout cas, j'apprécie ce... Moi, j'aime beaucoup ce petit personnage. C'est un peu la magie de Motus qu'on a essayé de traduire pour vous, en vous remerciant une fois de plus, évidemment, d'être là tous les jours de la semaine. Une autre bonne nouvelle, eh bien, c'est le retour du tournoi de Noël, comme vient de vous l'annoncer, Tom. Et vous savez que tous les ans, nous soutenons une association. Et cette année... Nous avons décidé de soutenir une association très, très particulière. Elle s'appelle Coup de Pouce. Je vais tout vous raconter rapidement sur l'association Coup de Pouce. C'est une association assez singulière que nous mettons à l'honneur cette année. Coup de Pouce a été créé en 2001 par des parents ayant eu un enfant atteint d'un cancer. Et la combativité de cette association a permis d'introduire à l'hôpital la zoothérapie. Et on sait à quel point... Les animaux, la présence des animaux est importante pour le moral, pour la guérison des enfants. La zoothérapie donc et la musicothérapie. Tout ça pour alléger le poids de la maladie, de glisser des petites parenthèses de tendresse et de bonne humeur dans la vie de ces enfants. Tout ça au milieu des traitements. Et c'est en Bourgogne qu'elle est installée, l'association Coup de Pouce. Et elle vise à améliorer, bien sûr, les conditions de vie des enfants et celles des parents. Et c'est pour Coup de Pouce que nous allons, que vous allez jouer toutes et tous. Super. Et comme d'habitude, vous êtes formidables. Je vais vous présenter les candidats dans un instant, mais je voulais quand même qu'on salue France Télévisions qui remettra à la fin de ce tournoi un joli chèque, Tom. Et oui Thierry, 15 000 euros seront offerts par France Télévisions. Et si vous souhaitez soutenir et rejoindre l'association Coup de Pouce, connectez-vous sur www.coupdepouce.fr. Merci à tous et merci surtout à nos candidats. Et vous le savez, dans un tournoi, il y a des finalistes et il y a des gagnants. Et les gagnants auront le plaisir de faire un joli voyage, Tom. Et oui, l'Iloa Sea View Hotel, hôtel 3 étoiles et Air Austral, compagnie française de l'océan Indien, vous invite au cœur d'un jardin tropical de 3 hectares. Venez découvrir cette escale secrète aux parfums exotiques, blottis entre ciel et mer. Bien, hein ? Ça ressemble un peu à La Réunion. Est-ce que je suis jamais allé à la Réunion, moi, Thierry. Vous avez de la chance, vous. Rêvez, imaginez. Ça a l'air très joli, en tout cas. J'accompagnerai les gagnants. nous avons des chocolats également à vous offrir. Et oui, pour les fêtes, Jeff de Bruges est heureux de vous offrir cet assortiment gourmand composé de savoureuses truffes, cerisettes et plein d'autres douceurs en chocolat. Merci, si vous voulez, Tom. Je peux vous donner les chocolats, pas le voyage, Thierry. Bien aussi. On en discute. Bon, écoutez, je vais vous présenter nos quatre premiers candidats. Trois femmes et un homme que nous avons appelé les repêchés de la tendresse, de la bonne cause, les repêchés du tournoi de Noël. Parce qu'ils ont déjà joué trois fois, donc ils n'ont plus le droit de revenir. Mais pour Noël, on peut les accueillir, Myriam et Catherine. Myriam qui vient de Marseille. Oui. Ça va bien, Myriam ? Ça va, merci. Oui. Vous travaillez dans quel domaine ? Porte automatique. Porte automatique. Assistante de direction dans une entreprise qui fait des portes automatiques. Ça surprend un peu, hein, dans quelle porte automatique ?
plus assistante de direction. C'est par là, par là, par là. Voilà, par là. Voilà, vous pouvez y aller. Catherine est avec nous. Catherine, vous ne travaillez pas? Non, je ne travaille pas et j'habite Saint-Cyr-sur-Mer. À Saint-Cyr-sur-Mer, à côté de Bandol. C'est ça. Voilà, quelques petits endroits bien sympathiques. Je vous présente Yvan et Christine qui viennent d'un endroit dont on vient de parler, puisque l'association Coup de Pouce que vous soutenez, elle est installée en Bourgogne. Oui. Vous venez de Dijon, Christine? Tout à fait. Quel est votre métier? Je suis assistante maternelle. Et vous, Yvan? Je suis conducteur de train. Conducteur de train, mm-hmm. Le TGV Entre autres. Entre autres, mm-hmm. Bon, on n'en saura pas davantage. En tout cas, le Yvan avec deux N, ça vient de quel... C'est une bonne question. Vous ne l'avez jamais posé? Vous ne vous êtes jamais dit à l'école? Si, je l'ai posé, mais on n'a jamais trop su me répondre. Donc. Tu poses trop de questions, Yvan. Fais tes devoirs. À mon avis, c'est une erreur de la préfecture. C'est pas bon pour oser lui dire. Je vous propose la distribution des grilles pour commencer. Ça pourra vous aider à aller très très loin dans ce tournoi. Les numéros, les voici. Le numéro magique, dans un instant, pour vous, ce sera le numéro 69. Et pour Catherine et Myriam, une grille et le numéro 36. Bon, c'est toujours un petit peu plus long, hein. Ça c'est la présentation, c'est l'exposition comme au théâtre. Voilà, vous savez tout, on joue pour l'association Coup de Pouce. Vous êtes remerciés d'avance, il y a de beaux cadeaux à gagner, il y a de belles parties à faire. Christine, nous cherchons des mots de 9 lettres comme nous le ferons pendant tout le tournoi. Voilà, amusez-vous bien, c'est parti. Merci. Coudray, C-O-U-D-R-A-I-E-S. Coucherie, C-O-U-C-H-E-R-I-E. Courgette, C-O-U-R-G-E-D-T-E. Une courgette pour inaugurer ce tournoi de Noël. Quel joli mot. Eh oui. Vous mélangez, Christine, s'il vous plaît. Quarante et un. Yvan. Le 17. Eh bien, Yvan. Oui. Hein, on va pas se priver. Voici la lettre H. Hérisson. H-E-R-I-2-S-O-N-S. Hivernal. H-I-V-E-R-N-A-L-E-S. C'est dommage, le S est en trop. Attention, Catherine, la lettre bonus. Le I. Hivernal. H-I-V-E-R-N-A-L-E. C'est bien joué, ça. Ah, bien. Bien, parce que pas évident. Non. Bravo, Catherine. Eh oui, bah, il faut en profiter. C'est le jeu, ma pauvre Lucette, hein, comme on dit. Vous mélangez, Catherine, s'il vous plaît. Le 36, c'est votre numéro magique. Même pendant le tournoi de Noël, il y a les fameuses boules noires. Christine, oui, c'est à vous de jouer. Voici la lettre G. Gérondif. G-E-R-O-N-D-I-F-S. Gondolier. G-O-N-D-O-L-I-E-R. Gondolant. G-O-N-D-O-L-A-N-T. Gondolage, G-O-N-D-O-L-A-G-E. C'est pas le mot qu'on emploie le plus courant, le plus vrai. Souvent. Tu as remarqué quand même, tu as pas noté un certain gondolage? Yvan, s'il vous plaît. Oui. On a mis un peu plus pour le tournoi de Noël. On devrait les prendre et les attacher directement au sapin, oui, comme ça on n'en parlerait plus. Ce serait fait. Catherine, nous cherchons un mot de 9 lettres qui commencera par la lettre A. Aumônier, A-U-M-O-N-I-E-R-S. Arrondi, A-R-R-O-N-D-I-E-S.
Arrivage, A2RIVAGES. Argenté, ARGENTEES. Agression, AGRE2SION. Bravo. Alors, pour l'instant, vous êtes à égalité, 100 à 100. Catherine, allons-y pour le mélange. 70. Myriam. 8. 8. Myriam, voici la lettre B. Boulanger, B-O-U-L-A-N-G-E-R. Bouteille, B-O-U-T-E-I-2-L-E. Berceuse, B-E-R-C-E-U-S-E-S. Bergerie, B-E-R-G-E-R-I-E-S. Bécassine, B-E-C-A-2-S-I-N-E. Bravo. Allons-y, Myriam. Instant, le 36 vous attend. Ah là là là. Bon. Ah bah, vous pouvez égaliser, Christine, si vous trouvez ce mot, qui commencera par la lettre S. Saoudien, S-A-O-U-D-I-E-N-S. Stupidité, S-T-U-P-I-D-I-T-E. Soupesant, S-O-U-P-E-S-A-N-T. Souvenir, S-O-U-V-E-N-I-R-S. Simplette, S-I-M-P-L-E-2-T-E. Qu'est-ce que ça peut bien être? Moi, je pense que j'ai trouvé, mais on va vous aider, Catherine, avec la lettre bonus. C'est le Y. Symphonie, S-Y-M-P-H-O-N-I-E. Ça fait 100 points d'avance à présent, Myriam. Allez-y, s'il vous plaît. Le 6. Alors, si vous tombez sur le 10, Catherine, vous marquez 100 points. Le 20. Le numéro 20. Et nous continuons, Myriam. Nous sommes à la recherche d'un mot de 9 lettres, Myriam, qui commencera par la lettre P. Poulaine, P-O-U-L-A-I-N-E-S. Piquante, P-I-Q-U-A-N-T-E-S. Paquetage, P-A-Q-U-E-T-A-G-E. Pas mal. 150 points d'avance à présent, Catherine. Le 32. Alors, le 44, le 10, Myriam. 66. Eh bien, nous continuons pour arriver aux 300 points, Catherine. Oui, Tom ? Ce sera déjà le dernier mot, mon cher Thierry. Donc, ça sera 350 si vous trouvez ce mot. Attention, Catherine, le mot vaut 100 points et commencera par un U. Urbanisé, U-R-B-A-N-I-S-E-R. Ah non, c'est pas le moment de commettre une erreur, Catherine, c'est dommage. Christine, la lettre bonus. Le R. Urbanisé, U-R-B-A-N-I-S-E-R.
Urbanisme, URBANISME. Alors, vous avez une chance de gagner la partie, Christine, Ivan, si vous tombez sur les bons numéros. Je vous laisse faire. Pour l'instant, vous avez 50 points de retard. Le 11. Le 11, bah ça va être compliqué. On va s'arrêter là. Hein. J'ai bien regardé, j'ai fait le tour de la grille. Oui. On vous applaudit très fort, Christine, Ivan. 3. Catherine peut respirer un grand coup. Catherine et Myriam, qu'on va retrouver en super partie. Bravo. Merci. Bravo. Et voici les cadeaux qui vous attendent, Christine, Ivan. Christine et Ivan, mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, vous offre cette valise tendance et élégante accompagnée d'un vanity case assorti. Et un petit bouquet de fleurs, ça fait toujours plaisir. C'est pour vous. Les fleuristes Florajet vous offrent un bouquet de fleurs originales livré directement chez vous. Faites plaisir en toute occasion avec florajet.com. Voilà, tout ça parce que vous l'avez bien mérité, Christine, merci. Ivan, pour vous remercier d'être venu jouer pour l'association Coup de Pouce. Est-ce que vous voulez en profiter pour saluer les amis, la famille? Oui, alors je fais un gros bisou à mes deux filles. J'embrasse toute ma famille, ma belle famille, puis tous les gens qui me reconnaîtront. Bon, ou pas. Ivan avec deux N. Eh bien, la même chose, plus tous mes amis et mes collègues. Bon, et puis vous restez avec nous, hein, vous reviendrez bien pour sûr. La finale au moins. Ouais. Hein. Parce que là, pour l'instant, on va passer en super partie avec Catherine et Myriam qui vont tenter de, non pas de gagner, mais d'aller vite. Et attention, la vitesse n'est pas la précipitation. Je vous laisse réfléchir et on se retrouve dans un instant. Pour participer à Motus, contactez-nous au 01 56 22 2000 ou sur le net, motus.france2.fr. Et pour nos prochaines sélections, retrouvez-nous le jeudi 23 janvier à Charleville-Mézières, le vendredi 24 à Lens et le samedi 25 janvier à Lille. Alors n'hésitez pas et composez à tout moment de la journée le 01 56 22 2000 ou rendez-vous sur le net motus.france2.fr. Oui, quelques applaudissements pour encourager Catherine et Myriam qui jouent pour l'association Coup de Pouce. Je disais tout à l'heure qu'il fallait aller vite, pas trop non plus parce que sinon vous commettez des erreurs et finalement vous n'arrivez nulle part. Pour aller en finale, il faut trouver 10 mots de 9 lettres. Le plus rapidement possible. Mmh. Voilà. Vous ouvrez bien le jeu, et si tout se passe bien, eh ben, on se retrouve pour la finale. Okay, bonne chance, Myriam. Merci. Catherine, c'est parti. Poulaine. P-O-U-L-A-I-N-E-S. Poudrière. P-O-U-D-R-I-E-R-E. Douanière, D-O-U-A-L-I-E-R-E. Déambuler, D-E-A-M-B-U-L-E-R. Diablotin, D-I-A-B-L-O-T-I-N. Diablesse, D-I-A-B-L-E-2-S-E, Diablesse. Aumônier, A-U-M-O-N-I-E-R-S. Aumônier, A-U-M-O-N-I-E-R-S. Arrogance, A-2-R-O-G-A-N-C-E. Moulinet, M-O-U-L-I-N-E-T-S. Marchand, M-A-R-C-H-A-N-D. Marchand, M-A-R-C-H-A-N-D-S. Marsupial, M-A-R-S-U-P-I-A-L. Vaudoise, V-A-U-D-O-I-S-E-S. Vénérant, V-E-N-E-R-A-N-T-S. Vénéneuse, V-E-N-E-N-E-U-S-E.
ou c'est H-O-U-2-S-A-I-E-S. Horticole, H-O-R-T-I-C-O-L-E. Horoscope, H-O-R-O-S-C-O-P-E. Bouteille, B-O-U-T-E-I-2-L-E. Boulanger, B-O-U-L-A-N-G-E-R. Banquette, B-A-N-Q-U-E-2-T-E. Berceuse, B-E-R-C-E-U-S-E-S. Buraliste, B-U-R-A-L-I-S-T-E. Braqueuse, B-R-A-Q-U-E-U-S-E. Toile, T-O-U-A-I-2-L-E-S. Tartiner, T-A-R-T-I-N-E-E-S. Toutefois, T-O-U-T-E-F-O-I-S. Allez. 55 secondes. Coudrer, C-O-U-D-R-A-I-E-S. Cannelage, C-A-N-E-L-A-G-E-S. Carnaval, C-A-R-N-A-V-A-L-S. Caniveau, C-A-N-I-V-E-A-U-X. Cavalière, C-A-V-A-L-I-E-R-E. Canaliser, C-A-N-A-L-I-S-E-R. Ouais. Roumaine, R-O-U-M-A-I-N-E-S. Ben on va s'arrêter là, peut-être, non? J'ai l'impression que c'est fini, quand même. Hein. C'est dommage, parce que vous avez trouvé 9 mots en 4 minutes et 34 secondes. Non. 54. Ah, c'est encore moins bien, 54. Vous voyez, moi, j'ai essayé de sauver un petit peu ce qui pouvait être sauvé, quoi. Est-ce qu'on vous a applaudi très fort? Non, pas encore, mais on va le faire, voilà. Ça va être compliqué parce que l'essentiel, c'est quand même de trouver 10 mots. Merci beaucoup, Myriam. Merci infiniment, Catherine. Un petit coucou rapide à la famille du côté de Marseille. Oui, j'embrasse ma fille surtout, qui fête ses 11 ans aujourd'hui. Bon, et vous, Catherine? Moi, je passe un bonjour à toute ma famille, à tous mes amis, et un gros bisou à Axel. Et vous allez voir comme on est à Motus. On se dit, comme c'est Noël, on ne va pas les laisser repartir comme ça. Un cadeau pour vous. Allez, ça marche. Cap France vous offre un week-end dans l'un de ses 100 villages vacances, animation et activités pour toute la famille. Bienvenue chez Cap France. Pas mal, non? Voilà, pour vous remercier d'être venu pour l'association Coup de Pouce. Et nous continuons ce tournoi, évidemment, avec d'autres candidats et votre participation, bien sûr, car qu'est-ce qu'on ferait si vous n'étiez pas là? Bonne journée et à la prochaine fois avec le nouveau générique de Motus. À bientôt. Merci beaucoup. Pour continuer de jouer avec nous, défier les champions ou vous inscrire à l'émission, une seule adresse, motus.france2.fr.